Bonjour à tous, je m'appelle Maïsan, j'ai 147 de QI, je suis un 80D. Et... Est-ce que je suis bon dans ton imitation? C'est pas mal. Il y a encore des améliorations à faire, mais t'es sur la bonne voie. Bon, tant mieux. Et t'as pas trop l'accent, hein, dis donc. Hein. Non. Je veux pas trop l'accent, j'essaie de le maîtriser. Mais pourquoi tu veux maîtriser? Parce que c'est un truc qui rend folle ma mère. Si d'un coup j'ai trop l'accent marseillais, elle devient folle. C'est-à-dire des fois il y a des petites dérives des comme fois, ça, c'est ouais, ça? Ouais, des fois je me lâche un peu trop. Elle s'énerve, elle dit ouais, je t'ai mis dans des écoles privées, c'est pas pourquoi tu parles avec mais l'accent pourquoi marseillais. C'est beau l'accent marseillais, ah non, pourquoi? Elle veut pas. Mais pourquoi? Elle l'associe à un mauvais genre. Oh. Mais elle a l'accent marseillais plus que tout le monde. Hein. Ah. Mais moi, non, il ne faut pas que je l'aie. Alors, oh, je me contrôle. Ok, Maïsan. Maïsan, tu as 23 ans. C'est ça. Y a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, tu le sais, hein, depuis les Marseillais aux Caraïbes, émission dans laquelle on t'a découverte sur W9. Aujourd'hui, tu es dans 10 couples parfaits. Sur TFX, il y a beaucoup de questions sur tes origines. Mais juste avant, je voulais savoir ce que ça signifiait, Maïsan, parce que je trouve ton prénom très joli. Ouais, moi aussi, j'aime bien. En arabe, ça veut dire étoile scintillante. C'est très beau. C'est trop beau. Et c'est ta maman aussi, forcément, qui a choisi ce prénom. Elle aime bien les prénoms originaux et elle a kiffé. Et alors, vas-y, clarifie-nous la situation sur tes origines, comme ça, la question, on la met de côté. On l'a beaucoup posée ? Beaucoup, ça revient beaucoup. Alors, je suis algérienne, de mes deux parents, mais je suis née à Marseille, j'ai toujours vécu à Marseille, mais j'ai une forte... Toute ma famille est algérienne, donc forcément, ça déteint un peu sur moi et j'ai une forte culture maghrébine, du coup. Donc, t'es née à Marseille ? C'est ça. Tu vis à Marseille ? C'est ça. Ok. Et je vais mourir là-bas, je crois. Pourquoi? Ah, j'aime trop. J'aime trop cette ville. Pour rien au monde, je la quitte. Donc, tu vas pas partir à Dubaï? Non, non, ouf. Non, non, ça, surtout pas. Même pas dans 2-3 ans, quand t'auras plus le temps? Non, non, jamais, jamais. Je reste là. C'est vrai? Ouais. Et j'ai lu que t'étais hyper active depuis que t'étais petite. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une spécificité? Parce que parfois, il y a l'amalgame. Alors, quand je me suis fait suivre, donc quand j'étais plus très petite... suite au potentiel intellectuel, ils ont forcément dit que c'était certainement associé à un comportement hyperactif. Et on me l'a présenté un peu comme une pathologie, qu'il fallait que justement je maîtrise ce côté-là de moi, mon hyperactivité, que je me calme, sophrologie, tout ça. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est cool, parce que plus je vieillis, moins j'ai d'énergie, plus j'ai besoin de faire des siestes. Je me dis, j'aurais dû en profiter de mon hyperactivité quand j'étais plus jeune. Donc c'est pas... Faut bien le prendre, je pense qu'il faut tout prendre positivement. Tu parles trois langues également, lesquelles? Anglais, allemand, français. Comment tu les as appris? Anglais à l'école? Non, même pas, parce qu'à l'école, j'étais pas, j'avais des facilités, mais j'étais pas hyper studieuse. Donc, mais c'est une particularité, je crois, des personnes oui, qui ont un quotient intellectuel. Bah, j'ai des gros troubles de concentration. Donc, apprendre des leçons comme ça, très scolairement, c'est impossible. Mais depuis que je suis petite, ma mère a vu que j'avais des facilités en langue. Donc, par exemple, elle me faisait regarder les films en anglais ou tous les étés, elle m'envoyait trois mois en Angleterre ou trois mois en Allemagne. Quand je revenais, les deux premières fois, j'étais parfaitement bilingue après. Pareil pour la musique, je crois que tu joues de trois pareil, instruments. C'est ça, deux instruments. Deux. Piano et guitare. Ouais. Et pareil, c'est ma mère voulait que... c'était pour un peu me canaliser mon hyperactivité. Et sur le moment, ça m'énervait parce qu'il fallait être bien concentré. Studieux pour les cours de piano, le solfège et tout. Et en fin de compte, maintenant, j'en suis super fière. J'ai bien râlé quand j'étais petite, mais maintenant, j'en suis super fière. Comment il a été découvert, ton haut potentiel intellectuel? J'avais des comportements un peu anormaux à l'école. Du genre... Du style Je prenais tout le monde de haut, par exemple. Donc, j'étais très insolente. Impossible de canaliser mon énergie. Mais des petites, en maternelle, CP. J'avais des problèmes avec l'autorité. Bref, j'étais une enfant à problème, on va dire. Et du coup... je refusais de travailler, voilà, pour moi c'était impossible, je ne voulais pas travailler. Donc les professeurs en fait, de même ont dit, bon, il faut la faire suivre, enfin, la petite a un souci. Et ils pensaient que plutôt j'étais, ils n'avaient pas forcément pensé au potentiel, mais plutôt un problème de comportement. Quoi. Et dès mes premiers rendez-vous, j'ai été orientée vers un centre pour enfants surdoués, et, donc voilà. Mais ça a changé ta vie de savoir que tu étais surdouée? Est-ce que tu as pu mettre des mots sur une situation? Et comment tu te comportais après l'avoir su avec tes camarades à l'école? Moi, j'ai eu de la chance. Justement, ma mère, elle a été
Elle a bien géré le truc, donc elle a essayé de bien me faire suivre, de bien m'accompagner, de bien m'expliquer les choses, de verbaliser. Et comme j'avais des facilités à comprendre quand même pas mal de choses, je ne l'ai pas trop mal vécu. Après, j'ai peut-être été un peu... déjà que de base, j'étais hautaine avec les gens. Alors en plus, quand on te répète à longueur de journée, mais Maïssan, t'es intelligente, tu dois avoir un tel niveau, tu dois être la meilleure de ta classe parce que t'es intelligente. Résultat, t'étais encore plus hautaine. Résultat, je me sentais plus pissée, moi. C'était je prenais tout le monde de haut et c'est pas l'attitude d'avoir. Donc... Mais c'est marrant que tu l'admets comme ça aussi librement. Ah ben, je peux pas ne pas l'admettre, c'est évident. Genre, j'étais vraiment imbuvable avec tout le monde, même les adultes. Ouais, mais pourquoi t'étais imbuvable? Tu le sais aujourd'hui? Ben non, j'ai toujours le problème. Je me sens toujours un peu au-dessus des gens. Et je sais pas, c'est peut-être... Après, j'avais un gros manque de confiance en moi aussi. Et donc, je me raccrochais à ce qui était factuel. Je savais que j'étais plus intelligente que la moyenne. C'est un fait. Donc, je me raccrochais à ça. C'était mon seul atout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu te sens un peu au-dessus des gens? Spirituellement, mentalement, c'est ça? Non, à peu près. Intellectuellement? Intellectuellement, oui. Dans mes réflexions. Les gens me fatiguent rapidement parce que je les trouve... C'est trop méchant ce que je vais dire. Je suis pas une fille méchante. Hein. Non, mais on est là pour te comprendre. Quand les gens me parlent, je les trouve un peu... les discours sont vides, je ne trouve pas forcément les gens hyper logiques. Et je m'énerve d'être comme ça, parce que je me dis, mais meuf, descends, redescends. Tu me trouves vide? Ben non. Non, t'es hyper sympa et tout, mais en général... On dit que quelqu'un est sympa... T'es originale. Non, je t'adore, non, je veux pas porter de jugement et tout, mais j'ai ce réflexe-là de me dire... par exemple, quand les gens veulent me transmettre leur savoir ou m'apprendre des choses, je suis hermétique à ça. Je me dis, mais pourquoi? Parce rien que tu à sais m'apprendre, tout en fait. Je sais tout, alors que pas du tout. Je le sais que c'est faux, mais j'ai cette attitude naturellement. C'est marrant, ça. Ouais, c'est une catastrophe. Mais alors, pourquoi t'es allée dans la télé-réalité? Ben, j'ai toujours été... J'ai un comportement, j'ai une personnalité très... à la limite de la bipolarité, c'est-à-dire que tout est très paradoxal. Donc, par exemple, je suis intelligente, mais je suis une fille qui est hyper apprêtée. J'étais dans une école de geek avec que des mecs, mais je suis super féminine. Donc j'arrivais là-bas, talons, maquillage et tout. Toute ma vie, c'est un paradoxe. Et quand on m'a proposé la télé, je me suis dit, je suis hyper studieuse, je vais à l'école. Qu'est-ce qui m'empêche de... Enfin, ça va dans la continuité de ce que je suis, en fait. Mais tu te sens au-dessus des candidats? Tu te sens au-dessus du genre de la télé-réalité? Au début, je me sentais clairement au-dessus. Genre, je me disais, je vais pas descendre si bas, je vais pas aller là-bas et tout. Bon, j'y suis allée parce que je me suis dit, justement, ça me correspond, c'est une expérience. Et je suis arrivée sur Les Marseillais, donc ma première émission, avec beaucoup de prétentions. Mais vraiment énormément de... je me disais, je vais aller là-bas, ils vont être tous débiles, comment je vais faire? Et en fait, franchement, ça a été trop une leçon de vie. Ils ont une intelligence télévisuelle, tous, que j'ai pas du tout. Donc pour le coup, t'as appris? Mais oui, mais carrément, ils ont des réflexes. C'est une forme d'intelligence, quoi. Ils ont des réflexes sur les tournages que moi, j'avais pas et que j'arrivais pas à assimiler, en plus. Parce qu'à la limite, c'est pas grave de pas tout savoir, de pas avoir des réflexes sur tout. Mais je sais que j'ai une adaptation plus rapide que la moyenne. Et ben là, sur les tournages, j'arrivais pas. J'arrivais pas à saisir le truc et j'ai été en admiration sur eux. Je disais, mais en fait, ils sont tous super intelligents. Parce qu'on parle d'intellectuel, la télé-réalité, est-ce que tu penses que c'est un genre qui nous pousse intellectuellement? Pas nécessairement qui nous pousse intellectuellement. Je pense que c'est du divertissement à la base. Donc, le but, c'est que les gens ils se détendent, qu'ils s'amusent, quoi, qu'ils passent un bon moment. Mais après, on apprend des leçons de vie par moment. Moi, j'ai appris plein de choses sur ce tournage, en tout cas. Pas nécessairement en termes de culture, ils ne m'ont pas forcément récité toutes les capitales des pays du monde. Mais par contre, humainement parlant, j'ai appris des choses que je n'ai pas appris à l'école. C'est un avantage pour toi de faire de la télé-réalité, d'avoir un QI à 147? Je crois pas trop, non. Je ne sais pas si c'est très pas compatible, mais si ça me donne un vrai avantage... Non, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir un QI de 147 pour faire de la télé, quoi. Qu'est-ce que tu réponds à ce type de commentaire? Donc, on en a sélectionné un, mais je pense que tu en as vu d'autres. Ça, Maïssan, elle sert à quoi, à part ta vue, hein? Je le fais très bien. Ça, Maïssan, elle sert à quoi, à part critiquer les autres et répéter tous les jours, 24 heures sur 24, qu'elle a 147 de QI, hashtag 10 couples par T4. Alors, il faut s'attendre à ce que je le répète jusqu'à la fin de ma vie. Je pense que je vais me le faire tatouer à un moment donné, que je vais le graver sur ma tombe. C'est le seul aspect de ma vie dont je peux être fière. Un des seuls. Pourquoi un des seuls? Pourquoi t'es pas fière du reste? Non, pas trop. Mais ça, c'est une grosse fierté. C'est quoi le reste? De quoi t'es pas fière? J'ai pas trop de quoi être fière dans ma vie. Je veux dire, j'ai pas trop grand chose à mettre en avant, je trouve. À part ça.
Bon, c'est déjà très bien d'avoir 147 de QI. J'en suis complètement, je suis très contente, très satisfaite. Et du coup, forcément, je me dis, mais c'est normal que je le mette en avant. Je veux dire, une fille qui est super belle, elle va dire toute la journée et toute sa vie qu'elle est super belle. Elle a raison si elle est belle. Ben moi, j'ai 147 de QI, je vais le répéter jusqu'à la fin des temps. J'aimerais qu'on revienne sur ton aventure dans Les Marseillais. Oui. Tu vas voir que ça va nous permettre après de faire une transition. Non, ben maintenant, entre Les Marseillais et 10 couples parfaits. J'ai constaté que dans les premiers épisodes des Marseillais aux Caraïbes, la saison dernière, tu étais très présente. Ouais. On est d'accord. Oui. Petit à petit, ça s'est étiolé, on te voyait quasiment plus. Hein. Et dans 10 couples parfaits, on voit que toi. Enfin, tu m'as compris. Entre autres, voilà, on te voit beaucoup. Pourquoi ? Elle est due à quoi, cette différence entre ces deux programmes ? Bah déjà, c'est une première télé. Et comme je t'ai dit, je n'ai pas su assimiler, peut-être aussi bien que les autres nouveaux, tous les mécanismes. Et après, moi, je suis très critique envers moi-même aussi. Et sur le tournage, je voyais que j'avais du mal à saisir vraiment tous les tenants et les aboutissants du tournage. Et du coup, plus je voyais que j'étais en retard par rapport aux autres, plus je m'en voulais et plus je m'effaçais. Donc, ça a été un cercle vicieux. Alors que là, je suis arrivée sur les YouTube avec plus de confiance parce que les Marseillais, c'est une super bonne école niveau télé. Franchement, ça nous forme très vite. Et donc, je suis arrivée sur les YouTube avec des bonnes armes pour que le tournage se passe très bien. Moi, j'ai noté une petite phrase que j'ai trouvée extrêmement marrante. Tu as dit « J'étais stagiaire caméraman dans les Marseillais. » Des fois, quand il y avait des erreurs de cadrage, on me voyait à l'écran, t'as jamais capté. C'est vrai qu'on ne voyait vraiment pas beaucoup. Enfin, vers la fin des épisodes. Donc ouais, c'est drôle. Mais stagiaire caméraman, parce qu'en fait, t'étais plus derrière la caméra que devant. Et dans 10 couples, mis à part le fait que c'est ta seconde télé-réalité, est-ce qu'il y a un effet peut-être de plus à l'aise, de liberté que tu as pu prendre là, dans cette saison-là ? Il y avait un effet, j'étais plus à l'aise aussi parce qu'il y avait un enjeu, il fallait se battre pour quelque chose, donc il fallait trouver les matchs. Donc j'étais focus sur le but et du coup j'oubliais carrément ce qu'il y avait autour. Moi, il n'y avait pas de caméra, moi je voulais trouver les 10 couples parfaits, donc j'étais là pour trouver les 10 couples et j'étais plus apte à faire abstraction du reste en fait. Ça m'intéresse d'avoir ta réponse et ton recul surtout. Victoria, c'est elle qui a ouvert cette saison le cross des Marseillais, donc VS le reste du monde 5 sur W9. Pourquoi toi, tu n'y es pas ? Alors moi, je n'étais pas pour des questions de logistique, là, pour le coup. J'allais être en diffusion sur les 10 couples et je ne peux pas être en diffusion sur deux chaînes différentes. Donc, on savait que la diffusion du cross allait coller avec la diffusion des 10 couples. Et donc, dès que j'ai su que les diffusions allaient être en même temps, je savais que je ne pourrais pas être sur le cross. Oui, mais Victoria, typiquement, elle aurait voulu faire 10 couples parfaits. Il lui aurait dit, on ne veut pas, on te garde pour la prochaine saison des Marseillais. Oui, voilà. Moi, comme j'ai fait peu de temps dans les Marseillais, ils n'allaient pas mettre des bâtons dans les roues pour faire d'autres émissions. Quoi. J'ai voulu aller faire 10 couples. Ils m'ont dit, c'est pas des bourreaux. Ils m'ont dit, vas-y, amuse-toi. Ouais. Ouais. Mais tu as eu l'impression qu'ils voulaient se séparer de toi ? Tu as eu l'impression qu'ils te laissaient partir ? Comment tu l'as pris ? Au départ, ça doit être une frustration, non ? Non, je l'ai pas mal pris. Moi, du couple, en plus, c'est une émission qui, justement, il y avait un enjeu et tout qui m'attirait. Donc, j'ai été plus soulagée qu'ils me laissent aller, qu'ils m'emprisonnent pas et qu'ils me disent « Mais vas-y, Maïsane, kiffe, fais ce que tu veux. » Et j'ai trouvé super sympa de faire ça, donc je l'ai pas mal pris. On va parler de 10 couples parfaits maintenant. C'est quoi la différence fondamentale entre le tournage des 10 couples et le tournage des Marseillais, si tu devais en retenir une ? C'est que j'étais beaucoup plus à l'aise. C'est ça la plus grosse différence. Et du coup, le tournage était différent. J'ai été formée chez les Marseillais et du coup, j'étais prête pour les 10 couples. J'ai un tweet de Quentin Caddy qui te dit « Maïsane et Marin sortent du lot dans cette émission. Ils sont joueurs, drôles, spontanés et super drôles au confessionnal. » Déjà, Quentin, je l'aime trop. Il commente tous les trucs. À chaque fois, je te vois, Quentin. Ah, parce que tu le connais. Mais je vois à chaque fois qu'il commente tous les trucs. Il me défend corps et âme. Quentin, ouais. T'es mon sang. Je l'aime trop. On en a vu plein. Je l'aime trop. Et c'est vrai que Marin, c'était un peu mon acolyte hein, dans les 10 couples. On était un peu sur la même longueur d'onde. C'était cool. Ça l'est encore ? Oui, bien sûr, j'ai aucun problème avec lui, mais sur les 10 couples, on était vraiment à 24 ensemble, donc je savais que, intellectuellement parlant, je pouvais me reposer sur lui et ça allait rouler. Elle a commencé quand même sur les chapeaux de roue ton aventure, puisque dès que tu es arrivée, c'est Carla qui s'est clashée avec toi. Elle aurait, c'est ce qu'elle dit, hein, non, c'est ce qu'on a pu lire, Carla aurait posté des photos intimes de toi sur les réseaux. J'aimerais savoir comment toi, tu l'as vécu, comment tu as réagi à tout ça. Sur le moment, quand les photos sont sorties, je l'ai très mal vécu. Bon, c'est rien de très grave. J'étais en sous-vêtements, rien de très trash. Mais pour moi, c'est beaucoup. En plus, j'ai une culture. Mes parents, c'est des Algériens et tout. Donc, ça n'existe pas, ça, chez moi. Donc, c'était très compliqué à vivre. Et forcément, je lui en ai voulu à elle parce que je savais qu'elle était en partie responsable des photos qui avaient leaké. Et quand je l'ai retrouvée sur le tournage, ça a été lourd, quoi. Je me suis dit, mais
j'ai un litige avec une personne dans le monde entier et elle est là. Je me suis dit, mais le sort s'acharne. J'étais dégoûtée. Et puis, en fin de compte, c'est une gentille fille et elle est jeune, quoi. Ça se voit qu'elle est jeune dans sa tête, elle fait des erreurs et elle se fait influencer par les mauvaises personnes. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Ça fait quoi quand c'est pas toi qui poste tes photos et que tu découvres ton image? C'est horrible. Je crois qu'il n'y a rien de pire. De ne pas avoir la maîtrise sur les photos qui sortent, c'est très compliqué à vivre. Et moi, en plus, ce n'est pas des choses que j'ai envie... Enfin, j'ai pas envie que ce soit associé à moi. Quoi. Quand on pense MySan, qu'on pense aux photos qui sont sorties, c'est vraiment super dur à vivre. Et je trouve que quand bien même vous avez un problème, un conflit avec une personne, il y a plein de moyens de faire mal à la personne, mais d'en aller jusque-là, genre d'aller dans l'intimité, c'est hyper intrusif et c'est... Moi, je l'ai vécu comme un viol. J'ai dit, mais c'est atroce, en fait. On viole mon intimité. Et c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Même à mon pire ennemi, je... Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec une dispute que tu aurais eue avec une Inès, une amie à toi, dans... enfin, avant les tournages, hein, c'est ça? Oui, oui. Qui n'a pas fait de télé. Hein. Ouais, qui n'a pas fait de télé. La pauvre. Ça a un lien, ouais. Le triste, pareil, pauvre fille, quoi. Je sais pas... Elle a voulu régler le conflit de cette manière, mais bon, ça, c'est un manque d'intelligence. Après, on ne peut pas reprocher aux gens d'être un peu stupides. Est-ce que tu penses que c'était prévu, prémédité, d'attendre oui, que tu sois en télé pour faire tout ça? C'était prémédité et c'était... Et c'est ça, le pire, c'est la préméditation, quoi, le vice, moi, que j'aime pas. Et ça rend la chose encore plus abominable, en fait. C'est atroce. Je voulais te faire réagir aussi à ça, parce que ton ancienne meilleure amie, on insiste sur le ancienne, Inès, aurait dit que tu n'étais pas du tout la fille, la seule fille de ta classe, et que tu n'étais pas vraiment surdouée parce que tu étais barmaid et caissière. Ouais. On ne peut pas, avoir, pas, on peut pas être surdoué et être barmaid. Je ne vois pas du tout le lien de cause à effet. Alors moi, j'ai été effectivement... j'ai travaillé dans un fast-food, donc j'étais caissière dans un fast-food pendant mes études, pour financer mes études. Et ça, je l'ai toujours dit et je le revendique. Il y a un mal à ça? Mais il y a aucun... Mais moi, j'en étais trop fière. En plus, quand elle a sorti comme une critique, je me suis dit, mais moi, mes parents, ils ont les moyens. Et ils m'ont toujours dit, t'as pas besoin de travailler. Tant que tu travailles à l'école, c'est le plus important. On s'occupe du reste. Et moi, de moi-même, j'ai dit, mais je suis une adulte, je peux aider mes parents. Et moi, c'était trop une fierté. Genre, je vais faire caissière, bien sûr, je vais charbonner. Et même si c'est rien, c'est 200 balles par mois, je les donne à mes parents pour les aider. Et elle m'a ressorti ça en mode critique. Je me suis dit, ok, c'est trop bizarre. Bon, ça, c'est une question de valeur, on ne doit pas avoir les mêmes, c'est pas grave. Et barmaid, pareil, je me suis amusée, je travaillais bien à l'école. J'étais une bonne élève. Donc, pourquoi je peux pas être barmaid si j'arrive à faire plusieurs choses? Bon, j'étais barmaid, j'ai travaillé 3 fois en boîte, hein, dans un bar à Marseille. Mais c'est arrivé 3 fois. Mais j'ai kiffé, j'étais trop contente. Et comment t'as accusé le coup quand elle a balancé sur les réseaux sociaux que tu serais sur des sites libertins? Elle a balancé des noms aussi de sites, et comme quoi tu mettrais des photos de toi, des sextapes, etc. Je sais même pas quoi dire, c'était... Ça t'a blessé? Alors, ce qui est blessant, c'est que je sais que c'est faux. En fait, c'est ça. Moi, je préfère... Quand quelqu'un va sortir un truc vrai sur moi, ben, ça va me faire chier, mais c'est la réalité, donc c'est pas grave. J'ai pas à avoir honte de ce qui est vrai. Je veux dire, faut assumer. En plus, moi, j'ai tendance à tout assumer. Mais quand c'est quelque chose de faux et je me retrouve à devoir démontrer quelque chose qui est faux, c'est trop compliqué parce que je me dis, on est en train de me calomnier sur... Enfin, c'est sans fondement. Et les gens, ils vont prendre ça pour acquis. Ils vont dire, oui, c'est vrai parce qu'ils l'ont lu sur le tweet d'une pauvre meuf. Je me dis, mais c'est trop triste. Et donc, ce qui m'a blessée, c'est de devoir me défendre sur quelque chose d'absurde, en fait. C'est de ça. Devoir te justifier. Voilà, c'est ça. T'es allée plus loin? T'as porté plainte? J'ai laissé faire ma mère. Ma mère, elle a appelé sa mère et c'était réglé. Pas besoin de porter plainte. Non, t'as envoyé ma mère, la maman. C'est mon avocate. Tu as fait tout. Pourquoi t'as pardonné à Carla par la suite? Sur les réseaux, tu as dit, chacun y va un petit peu de son commentaire plus ou moins méchant sur les RS vis-à-vis d'elle. Enfin, quelque part, tu vas dans son sens. J'ai vu qu'elle s'est fait un peu, après la diffusion du premier épisode, elle s'est fait un peu descendre. Et je trouvais ça pas logique de moi venir lui reprocher d'avoir voulu me descendre sur les réseaux pour qu'elle aussi, ensuite, elle se fasse descendre. Je veux dire, je souhaite pas aux autres ce que je veux pas qu'on fasse. Donc, ça me paraissait illogique. Je veux dire, moi, le but, quand je me suis disputée avec elle, c'était pour régler mes comptes et pas pour qu'il lui arrive la même chose qu'à moi parce que je sais que ça fait mal. Donc, Elle a réitéré ou pas, Carla, avec Dita, je parle. C'est deux histoires différentes. C'est deux histoires différentes et elle s'est manquée avec Dita. C'était pas à dire. Mais. Donc, juste pour recontextualiser, elle arrive, vous essayez au bord de la piscine, j'ai une grosse bombe à balancer. On sait qu'elle a une histoire passée, hein, je crois, ouais, avec Brian, Carla. Et elle aurait dit que Brian se foutait de Dita.
Voilà. Et ensuite, elle attaque Edita par rapport à sa petite jupe écossaise, faisant référence à une vidéo qui avait fuité sur Internet. C'est ça. C'était pas à dire, mais c'est, on peut pas, quand on la voit, Carla, on peut pas lui en vouloir parce qu'en fait, contrairement à la Inès, il n'y a pas de vice, il n'y a rien de malsain derrière. Elle est juste un peu limite. Mais c'est pas sa faute. Genre, moi, j'arrive même pas à lui en vouloir parce qu'il n'y a rien de méchant dans ce qu'elle dit. C'est elle se défend comme elle peut. Ouais. Voilà. Mais est-ce que toi, t'aurais dit ça, par exemple, à une autre femme, en plus? Non, en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis très girl power. Donc, de femme à femme, c'est compliqué d'aller descendre sur des trucs pareils. Je trouve ça un peu sale. Elle était comment, Dita, en tournage? Parce qu'elle a déserté la place de la télé-réalité, en tout cas sur les réseaux sociaux, depuis pas mal de temps. Ouais. Voilà, je pense que ça doit être dur aussi, qu'elle a vécu. Comment elle se comportait? Comment est-ce qu'elle était? Parce qu'elle est beaucoup critiquée. Alors, sur le début, j'ai eu beaucoup de mal avec elle parce qu'elle était un peu hautaine, un peu méprisante. Et donc, j'avais dans beaucoup de mal avec ça. Elle faisait ressentir aux gens qu'elle était un peu au-dessus d'eux. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. On ne l'a pas tous ressenti pareil, hein, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, OK, elle arrive, elle a fait 3 télés, elle se sent plus pissée, ça ne va pas le faire. Et en fait, je pense que de par tout ce qui lui est arrivé, elle s'est protégée comme elle a pu. Et quand on creuse un peu, c'est une fille que vraiment j'adore. Mais c'est une de mes meilleures rencontres d'ailleurs de télé. Moi, j'aime bien avoir des surprises comme ça sur les gens. Et au début, je me suis dit, OK, la meuf, elle est imbuvable. Et en fait, je pense qu'elle a eu des galères dans sa vie. Et c'est un moyen de défense. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est une fille adorable. Je l'adore. C'est aller trop loin entre Dita et Carla, parce qu'il y a une exclusion qui a été montrée. Oui. Hein. S'il y a eu exclusion, c'est que ça allait trop loin. Donc, c'est allé. Bon, c'est débat. Un truc de fou, hein. Il n'y a pas eu meurtre. C'est passé quoi? Il y a eu, elles se sont un peu chiffonnées, quoi. Arrachage de cheveux. D'ongles. Ah, d'ongles? Pas arrachage d'ongles, de faux ongles. De faux ongles. Je devrais pas rire. Des capsules comme ça qui sautaient. C'est pas vrai. Ouais, c'était pas facile. Mais rien, c'est des petites chamailleries de filles, quoi. Voilà, c'est triste. Mais c'est pas à faire. Donc, exclusion. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, exclusion méritée. Méritée. Ok, on va parler d'amour maintenant. Tu as dit j'ai eu des relations longues, mais on me l'a déjà mise à l'envers, donc je n'ai plus du tout envie de me poser, j'ai été déçue, j'ai un peu de mal à faire confiance aux hommes. Ça sent la villa des cœurs brisés, ça? Ou pas, parce que j'ai beaucoup de mal à m'étaler sur ce genre de sujet. Mais c'est vrai que j'en aurais besoin, pour le coup, d'un bon coaching. Elle est top, Lucie. Ouais, elle a l'air. Mais moi, ça me fait peur. Je sais que je vois une psy depuis 20 ans et à peine elle me dit « Maïsan, ça va ?» Je pleure 45 minutes. Donc, le but, c'est pas de mettre la France entière sous Xanax. Donc, tu vois, faut que... Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être faut que je travaille sur moi d'abord pour accepter de me faire coacher. Mais pourquoi déçue? C'est les jeunes, les mecs... De nos jours, ils sont un peu, ils aiment bien aller à droite à gauche. T'as été trompée? Oui, large. Beaucoup. Plus, je pense que tromper, le mot est faible. Ouais. J'ai été bien trompée, comme il faut. Mmh. Tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison quand on est trompé d'abord? Alors déjà, quand on est trompé, c'est pas la faute à la fille. Mmh. Faut le dire. Mais j'aime bien que tu peux. Faut le dire. J'adore. Ma mère va me défoncer. Bonjour maman. Non, c'est pas la faute aux filles, mais je sais que moi, c'est vraiment très compliqué de me supporter. Et même plusieurs garçons m'ont souvent dit « mais tu pousses à la faute, en fait, tellement t'es derrière. » Je sais que j'étouffe les gens, mais je n'ai pas l'intention de changer, donc il faut trouver un mec qui sera capable d'assumer mes crises d'angoisse et tout, quoi. Et puis tu peux adorer et tout de suite après être très vite lassée. Ouais. À Cacris. Ouais. Je me trouve odieuse dans les épisodes. Un chouïa. Ça me fait de la peine. Non, mais j'essaie en plus d'être hyper diplomate, mais quand y a plus d'attirance ou quoi, c'est comme si j'étais un robot. C'est-à-dire que le discours sort froid. Mais ça ne t'a joué avec lui ou alors c'est vraiment une lassitude qui s'est installée très rapidement? Non, mais moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais c'est comme avec les aliments. Je peux kiffer les pâtes pendant 3 mois et d'un coup, plus avoir envie d'en manger. Mais Chris, c'était pareil. Pâte quand même, Chris. C'était mon plat de pâtes, mon petit plat de pâtes bolo. Au début, j'avais envie de pâtes bolo et après... Je voulais des frites. Mais tu peux agrémenter avec du parmesan, tu peux mettre non, du sel, du poivre. Non, mais là, il n'y avait rien à faire. Je pouvais agrémenter avec ce que je voulais plus de pâtes. C'est mort. Donc, non, Chris, pourtant, au début, j'étais très intriguée par sa personnalité. Qu'est-ce qui t'intriguait? Mais je me rappelle d'un truc tout bête. Moi, il en faut peu, je suis une victime. Arrête de dire que tu es une victime. Non, mais non, il m'en faut très peu. T'es pas une victime. On était sur le bed et il y avait plein d'oiseaux autour de la maison. Et j'ai dit, mon Dieu, on se croirait dans un film d'Alfred Hitchcock.
Et genre, il a rebondi. Il m'a dit, oh, tu parles des oiseaux et tout. Et là, on est parti dans une discussion. Tu t'es dit, quelqu'un connaît ce film. Je me suis dit, mais quelqu'un connaît ce film et tout. J'ai dit, mon Dieu, j'ai trouvé mon âme sœur. Et donc, en fait, ça, c'est mon attirance vers lui, elle s'est fait sur un rien. C'est-à-dire que moi, il me suffit de ça pour que je me dise, ok, c'est mon match et tout. Et en fait, après, en creusant, bah, du coup, en parlant vraiment avec lui, je me suis dit, mais pas du tout. Et là, c'est moi, il suffit que je vois un truc qui me déplaît. Je suis hyper dans le détail en plus. Et c'est phobie. Ah non, il faut rester loin après, tout ça devient dur. Comment va ton beau-frère? Qui? Bah Kevin Gage. Ah, bon ça. Pas je crois qu'il va bien, je suis pas trop nouvelle, mais je pense que ça va. Tu t'entends bien avec lui? Avec Kev, ouais. C'est une bonne connaissance des Marseillais, ouais. Après pas plus que ça. Quoi. Bon, t'as compris le sous-entendu de ma question. Oui, j'ai compris. Bien sûr, j'en suis sûre. Avec 147 de QI, tu ne peux pas pas comprendre. J'ai saisi. Comment ça se passe avec Alan? Avec Alan, dès le début, depuis les Marseillais, on a une très forte relation de confiance. Genre, j'avais un peu peur de la télé et tout, et il y avait Calu qui faisait confiance. Et on a eu un peu le même parcours, on a fait une diffusion courte dans les Marseillais, puis après les 10 couples, donc ça nous a vachement rapprochés. Et c'est vraiment un bon ami, que ce soit dans la télé ou à l'extérieur. Et après, il faudra regarder les épisodes pour voir si on reste amis. Bien sûr, il faudra regarder, mais il se passe quelque chose, c'est indéniable. Ça se voit, il y a une connexion. Au début, depuis le début des Marseillais, il y a une connexion avec lui de forte, forte affinité, ouais, de forte confiance. Moi, c'est surtout la confiance, je suis très à l'aise avec lui. J'aimerais te montrer un extrait vidéo. Tu vois, c'est très court, c'est une copine à toi en plus, Mélanie ORL, qui en a parlé. La vidéo va apparaître dans une petite seconde. Okay. Et bah, Maïsan, en fait, au moment où je me suis rapprochée d'Alan, c'était... Mais pourquoi tu me poses la question par rapport à Maïsan d'ailleurs? Je sais pas, parce qu'il y a eu un petit rapprochement non, entre Maïsan et Alan. Ah bon, je suis pas au courant. Aucun? Je sais pas. Où tu fais... Où ça? Tu as vu ça sur Snap? Ça fait un petit moment hein, qu'on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux. Ils s'entendent bien. Elle est gênée quand même. Hein. Elle est gênée, mais elle est top. C'est vraiment ma copine. Je l'aime trop. Non, oui, de toute façon, dès le début, moi, je l'ai aidée à se mettre en couple avec Mel et tout. Alan, moi, j'étais à fond derrière. J'étais dans ses relations et tout. Parce qu'on a vraiment cette relation de... On est fusionnel, quoi. Quoi qu'il arrive, même si on doit se disputer ou on doit... Je sais que je pourrais toujours compter sur lui. Tiens, si tu avais été dans les Marseillais, tu aurais pris parti pour qui dans les clashs entre ta future peut-être belle-sœur Carla Moreau avec Manon Marceau et Jessica Thivenin? Alors, j'ai ouï dire qu'effectivement, il y a des clashs entre elles. Je n'ai pas trop suivi, mais j'ai vu un petit peu des extraits sur Instagram. Ouais. J'ai cru comprendre, tu m'arrêtes si je me trompe, que Jess reproche à Carla un truc qui s'est passé, un conflit qui s'est passé il y a longtemps, c'est ça? Oui. Moi, j'aurais pris parti pour qui? Ben, déjà, ce n'est pas mes histoires, je n'ai pas trop l'habitude de me mêler. Mais de ce que j'ai entendu, il y avait quand même pas mal d'acharnement sur Carla. Alors moi, Carla, ce n'est pas avec une fille avec qui j'ai des affinités. Carla, elle a un comportement... Pourquoi? C'est particulier, elle est très particulière. Je crois qu'en fait, moi, avec Victoria, je crois qu'on a décelé, on a percé le secret de Carla. Ah, vas-y. Des fois, elle peut dire des trucs piquants. Mais en fait, qu'on peut prendre méchamment, parce qu'elle le dit sur un ton, mais vraiment, genre méchant. Mais en fait, c'est de l'humour. Je crois qu'elle a un second degré hyper poussé. Et donc, en fait, moi, elle ne m'a jamais fait de remarques méchantes, etc. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à, au milieu d'une conversation, lâcher un pic comme ça. Et genre, je me dis, mais d'où ça sort? Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est pas méchant? Mais en fait, elle a un second degré assez poussé. Et donc, je comprends qu'il puisse y avoir des frictions si tout le monde ne saisit pas son second degré. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que tout le monde se mette sur une personne. Je déteste ça. Donc, si j'avais été là-bas, je pense que même si j'aime beaucoup Jess, j'aurais pris parti pour Carla. Si j'avais été là-bas, j'aurais pris parti pour Carla. Super, tu n'as pas dit si j'aurais été là-bas, bon sang. J'avais pris parti pour Carla. Bravo, Maïsan. Je n'ai pas besoin de te le dire, ça. C'est qui ce jeune homme avec qui on t'a vu, là, dans une fête foraine, il y a quelques mois? Parce que c'était pas Alan, hein? Non, c'est pas Alan, pas du tout. Vous embrassiez? On s'embrassait? Oui. Tu aurais, pardon, embrassé ce jeune homme à plusieurs reprises. Oui, parce que je n'embrasse pas les gens en public. C'est un de mes crushs. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai toujours, moi, du mal à sauter le pas, à me dire je suis en couple avec quelqu'un. Et en plus de ça, maintenant, avec la télé, c'est encore plus compliqué parce que je deviens encore plus méfiante. Et en plus, j'ai plein d'attaches avec plein de gens. Avec la télé, il y a des ex qui reviennent, tout ça. Donc, c'est un peu... J'avais envie d'aller à la fête foraine avec mon crush. Tout simplement. Voilà.
On parle un petit peu chirurgie, parce que tu, quand tu parles de ton QI, donc tu dis oui, j'ai 147, mais je fais aussi 80D. Tu t'es fait refaire la poitrine ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'avais des seins qui poussaient dans le dos. Ou je l'avais jamais entendu, celle-là. Ouais, c'était dur, j'étais plate à mort. Et je crois que j'ai été traumatisée une fois où je suis allée acheter un soutien-gorge chez Tam. Que la meuf m'a regardée, la vendeuse. Oh mon Dieu, j'ai son visage dans la tête. Mais c'est horrible, ça. Elle m'a dit, non, mais faut aller H&M, rayon enfant, une brassière, genre. Mais comme ça, avec la main et tout, j'ai dit, mais elle est sérieuse. Mais ça, ça te casse, quand je me suis fait refaire les seins, le premier truc que j'ai fait, je suis retournée chez Tam, voir si elle était là-bas. Faut revenir avec mes autres énormes seins, mais elle n'y était plus. C'est pas énorme. Non, mais c'est bien. C'est proportionné. Voilà, c'est exactement. C'est trop gros quand même, mais c'est proportionné. Ah, c'est trop gros. Moi, j'aurais voulu un petit peu plus petit. Mais t'as pas abusé, c'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pas. Moi, j'ai toujours ma mère derrière moi qui choisit. Donc, j'ai dit, maman, je veux des seins. Elle m'a dit, mais c'est moi qui choisis la taille. Donc, elle sait que j'ai un tempérament un peu. Je suis exubérante et que si je m'écoute, je finis avec des seins comme ça, un cul comme ça, une bouche comme ça. Donc, elle a dit, elle a géré. Tant que j'étais pas assez mature, j'étais jeune, je les ai fait quand j'avais 18, 19 ans. Donc, elle m'a dit, tiens, complexe, je vais t'aider à faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Mais quand même, je suis ta mère, j'ai un droit de regard. Elle a encadré les lèvres aussi ? Elle est venue avec moi, même à l'essai. Elle m'a dit, oui, c'est bon, tu peux y aller. Donc maman, elle valide tout ? Plus ou moins, avec parcimonie, elle gère un petit peu. Et le rapport à la chirurgie, tu comptes faire d'autres choses ? Alors moi, si je m'écoute, honnêtement, je me refais de la tête aux pieds. Je pense qu'en plus, je me refais même mes pieds d'ailleurs. J'ai cherché à savoir si ça existait, une chirurgie Pourquoi des pieds. Les pieds ? Je sais pas, je suis tarée. Si je m'écoute, je refais tout, vraiment, ravalement de façade. Mais me connaissant, et maintenant que j'ai un peu de vécu, je sais que je ne fais pas nécessairement des choix très réfléchis. Je suis beaucoup dans l'impulsivité. Je me contiens et je pèse le pour et le contre. Bien. Je laisse passer quelques mois avant de décider si oui ou non, c'est vraiment important de faire ça. Et surtout, j'écoute ma mère. Ok. Voilà. Et je voulais juste te poser cette question. Je vais finir là-dessus parce que hier, quand je t'ai eu au téléphone, tu sais, tu m'as dit « Oh là là là, j'ai croqué dans une pomme, ouais. Je me suis cassé la mâchoire. » Non, là, je me suis fracturé une dent, voilà. La racine. Voilà, je me suis fracturé une dent et je t'ai dit « Mais t'as des médicaments, t'as ce qu'il faut quand même pour aller mieux. » Tu m'as dit « Oui, mais le problème, c'est que les médicaments, ça me fatigue parce que je fais 38 kilos. Ouais. » Et c'est vrai que je me suis dit « 38 kilos, c'est vrai, t'es toute fine. Ouais. » Mais c'est parce que tu veux être toute fine non, ou non. C'est ta morphologie ? C'est ma phobie, mais si tu vois des photos de moi quand je suis petite, je suis comme ça. Et j'ai toujours mangé pour 10. Bah d'ailleurs, je te l'ai dit, j'ai du cholestérol et tout. Donc, c'est-à-dire que je mange vraiment très riche, très gras. Mais je suis tellement tout le temps en gamberge, tellement tout le temps en... Je suis stressée, une angoissée. Et mes médecins, ils m'ont toujours dit, j'ai fait tous les tests. Je suis allée voir tous les meilleurs médecins de France. Et ils m'ont toujours dit, tu grossiras le jour où tu seras bien dans ta tête. Que tu arrêteras de stresser. Parce que donc ça tu penses que ça vient de la yadine. Donc, je brûle tout. Voilà. J'ai un métabolisme extrêmement rapide. Tu veux pas m'apprendre comment faire ? Franchement, tu peux t'en passer, je te jure que c'est pas grave. Oh, j'aimerais bien. Tu vas nous donner ces astuces sur tes réseaux sociaux, Maïsan. Oui. Ton compte Instagram, c'est maïsan.alg et ton compte TAPS, c'est maïsanajioul. C'est ton nom de famille. Et bien évidemment, on te retrouve du lundi au vendredi sur TFX dans 10 couples parfaits, saison 4, présentée par la belle Elsa Fayer. Tu aimes bien ? J'adore. Elle trop. Est top, hein, elle est géniale, elle est trop belle. En ça lui va très bien cette émission. Maïsan, merci infiniment. Merci je suis très heureux d'avoir pu apprendre à mieux te connaître. J'en avais très envie. Je suis sûr que ça fait plaisir à ma communauté. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview en toute intimité. Et non, vous l'avez vu, j'arrête pas les interviews. Donc on se retrouve bientôt. Bye bye, je vous aime.